Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore aujourd'hui en ce 11 octobre ensemble pour partager notre café matinal et nous rendons grâce à Dieu, Karine et moi, pour vos vies, mes frères et mes sœurs. Amen, Ne vous tracassez pas, Christina pour le moment n'est pas encore là avec nous parce que bien entendu elle est à vos études, elle est à l'école et donc malheureusement elle ne sait pas toujours être là. Mais en tout cas, si ça vous fait plaisir, n'oubliez pas de lui mettre des petits messages. Que ce soit sur son TikTok, sur son YouTube ou ici sur le mur de Karine sur YouTube, ça va lui faire très très plaisir. Aujourd'hui, 11 octobre, nous allons prendre notre texte de la méditation dans Matthieu chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est Ne confessez pas la maladie. Je voudrais vous lire un témoignage du pasteur Kenneth Hagin, d'une expérience qu'il a eue. Je me souviens d'une chère personne qui était convaincue de souffrir d'un cancer. Pendant 10 ans, chaque fois que je la vis, elle était sûre qu'elle avait un cancer. Je lui disais, mais vous ne l'avez pas. Tous les 6 mois, elle allait chez le médecin pour faire un bilan de santé. Le médecin ne trouvait jamais trace de cancer, mais elle insistait. Je suis sûre que je l'ai. Or, elle était née de nouveau et remplie de l'esprit. Je lui conseillais, ne parlez pas de la maladie. Vous ne m'entendrez jamais confesser la maladie, car je ne veux pas que la maladie me domine ou qu'elle ait de la place en moi. Mais elle continuait à confesser la maladie. Finalement, je lui dis carrément, arrêtez de confesser la maladie. Si vous continuez à confesser la maladie se développera dans votre organisme. Je ne confesse jamais la maladie. Je déclare la guérison et la santé. Je ne m'attends pas à la maladie. Je crois à la guérison et à la santé. Et je possède ce que je confesse. Ce que je confesse me domine. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle refusait de parler en accord avec la parole de Dieu. Au contraire, elle confessait toujours et toujours la maladie. Après 10 années à me dire qu'elle souffrait d'un cancer, le médecin trouva finalement un cancer dans son corps. Ses paroles le produisirent. Sa confession causa sa mort. Je suis content qu'elle soit allée au ciel, mais elle aurait pu être encore ici. Permettez-moi de le répéter, lorsque vous confessez la capacité de Satan à vous entraver, à vous rendre malade tout le temps, à vous empêcher de réussir ou à recevoir les bénédictions de Dieu, vous autorisez Satan à vous dominer. Voilà mon frère, ma sœur, encore un témoignage qui vient confirmer tout ce que nous vous disons depuis le 1er janvier. Nous voyons que par notre bouche, nous serons justifiés et par notre bouche, nous serons condamnés. Et bien souvent, comme nous le voyons dans ce témoignage, certains religieux pourraient dire, oui, mais Dieu l'avait déjà averti qu'elle avait un cancer. Non. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le faire, j'aimerais que vous preniez un exemple, votre cas, en tant que parent, ayant des enfants. Si votre enfant devrait mourir de quelque chose, de quelle manière vous autoriseriez que votre enfant meure? Dans la souffrance ou qu'il aille se coucher paisiblement dans son lit et qu'il s'endort et qu'il ne se réveille plus? Vous voyez que l'esprit légalisme, l'esprit religieux nous entrave dans notre appel, nous entrave dans ce que Dieu a pourvu pour nos vies, mon frère, ma sœur. Dieu a pourvu Jésus pour nous guérir de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités et de nous pardonner de tous nos péchés, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le plan parfait de rédemption de Dieu pour l'humanité tout entière. Il ne choisit pas des personnes. Il appelle tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'il est mis dans la parole. Il est dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Appeler, ça veut dire quoi? C'est que Dieu appelle toute l'humanité à venir à lui. Et bien souvent, beaucoup répondent à cet appel, mais puis la Bible nous parle et nous précise ici qu'il y a peu d'élus. Ça veut dire qu'il y en a peu qui vont rentrer dans le plan et dans les desseins que Dieu a pourvus pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu a pourvu Jésus pour nous guérir de nos maladies et de nos infirmités, cette sœur, elle, proclamait qu'elle avait une maladie en son corps.
Dieu aurait pu dire, voilà mon enfant, tu es malade, tu vas mourir de cette maladie. Et dans le mois qui suit, dans les deux semaines qui suivent, le lendemain de ce que Dieu a parlé, ben voilà, la personne part. Pourquoi attendre pendant 10 ans, faire des examens, à essayer de chercher l'œuvre du diable dans sa vie? Pourquoi cette sœur a-t-elle fait ça? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de chercher l'œuvre que Dieu voulait faire dans sa vie? Peut-être que Dieu voulait qu'elle vive jusqu'à ses 100 ans, 90 ans, qui sait? Nous voyons que c'est un appel d'esprit, un esprit de maladie dans sa vie. Elle cherchait la maladie. Et à un moment donné, qu'est-ce que la Bible nous dit? Cherchez et vous trouverez. Que ce soit Dieu, mais que ce soit aussi pour Satan, pour ses œuvres, pour ce qu'il veut faire, mon frère, ma sœur. Comme nous sommes en train de parler depuis une bonne semaine de confession, mon frère, ma sœur. Confessons de bonnes choses sur notre vie. Ne confessons pas la maladie, ne confessons pas la mort, ne confessons pas l'échec, ne confessons pas la pauvreté, mon frère, ma sœur. Mais confessons les choses que Dieu a pourvues pour chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur. Ne cherchons pas les œuvres infructueuses des ténèbres, mais cherchons les œuvres fructueuses du royaume de Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu a pourvu la guérison, la résurrection au travers de Jésus-Christ. Cherchons ça, mon frère, ma sœur. Ne cherchons rien d'autre que ça, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et c'est vrai, nous ne devons pas confesser la maladie. Nous ne devons pas confesser l'échec, la pauvreté, la division, les problèmes, les difficultés sans nombre qui surgissent dans notre vie. Nous devons fixer nos yeux sur l'Éternel et avoir confiance en lui. Parce que ce qu'il dit est toujours, mes bien-aimés, toujours pour notre bien. Il y a dans la Bible un passage où le jeune Jérémie, qui est appelé, donc dans Jérémie au chapitre 1, verset 7, le jeune Jérémie dit ceci, « Je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. » Et l'Éternel le reprend en lui disant, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux que je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. » Et ce verset, mes bien-aimés, est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Nous ne devons pas confesser les mauvaises choses dans notre vie. Dieu nous demande toujours la même chose. Il nous demande toujours de confesser la parole de Dieu, de nous mettre en accord avec la parole de Dieu. Parce que nous l'avons déjà vu un bon nombre de fois, c'est que nous avons une puissance dans notre façon de parler. Nous avons une puissance dans la déclaration qui sort de notre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc nous avons le pouvoir d'appeler la mort comme nous avons le pouvoir d'appeler la vie. Nous devons prendre conscience, mes bien-aimés, de toutes ces choses qui sont vraiment soit un piège, soit une bénédiction pour notre vie. Notre Dieu Tout-Puissant nous conseille de parler de la vie, de parler de la bénédiction, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Malheureusement, nous l'avons vu aujourd'hui dans ce témoignage, cette femme appelait la mort. Cette femme cherchait à avoir quelque chose. Elle pensait, et ce n'était pas la réalité au moment où elle le déclarait, elle pensait avoir un cancer. Mais si nous appelons sans cesse cancer, 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 pensez-vous que vous aurez une bénédiction? Oh non. Pensez-vous que vous serez béni dans votre santé? Bien sûr que non, mes bien-aimés. Nous devons faire absolument attention à tout ce qui sort de notre bouche. Peut-être qu'il y avait un moment dans votre vie, mes bien-aimés, où vous n'avez pas conscience de ces choses, mais maintenant que vous suivez toutes ces méditations que nous faisons depuis le 1er janvier, je pense que bon nombre de fois nous avons répété, et en vous le prouvant par la Bible, bien sûr, ce n'est pas que tout cela vient de nos pensées ou de notre façon de raisonner, mais tout a été prouvé par la Bible que nous avons vraiment intérêt à faire attention à comment nous parlons sur notre vie. Si le fait de confesser une maladie provoque cette maladie au bout d'un certain temps, ne pensez-vous pas
que si vous confessez la guérison, après un certain temps, vous verrez cette guérison de même s'établir dans votre corps. Amen. Comme il en est de mal, il en est de bien. Amen. Et je dirais même que Dieu a d'abord préconçu le bien pour chacun de ses enfants, mais le mal est venu détourner ces choses, il est venu manipuler les raisonnements des fils et des filles de Dieu afin qu'ils n'obtiennent pas leur bénédiction. Le mal copie toujours le bien, mais le bien est là dès le commencement. Notre Dieu nous a appelés dès la fondation du monde. Il avait des plans de paix, de bonheur, dès la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Mais l'ennemi est venu brouiller les cartes, brouiller notre chemin afin que nous nous perdions loin de ses plans de bénédiction. Mais bien-aimés, je vous le conseille encore aujourd'hui, une fois de plus, revenons sur le sentier de la bénédiction. Notre Dieu est là. Il nous attend à bras ouverts. Chaque jour qui se lève, il a une bénédiction pour nous. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous nous remettions en accord avec la parole de Dieu et que nous confessions la bénédiction, que nous confessions la parole de vie et que nous obtenions notre restauration dans tous les domaines de notre vie. Alors mes bien-aimés, nous allons terminer cette méditation avec une bonne déclaration encore pour ce jour. Je ne confesse pas la maladie. Je le déclare, je ne confesserai pas la maladie. Mais je vais confesser tous les jours de ma vie la santé et la guérison. Mes mots sont dorénavant en accord avec la parole de Dieu, car j'ai confiance en celui qui pourvoit à tous mes besoins, en celui qui veille sur mon âme et qui veille sur mon corps. Je vois maintenant se manifester dans ma vie le fruit de mes paroles. Dorénavant, mes paroles seront toujours en accord avec la parole de Dieu qui est la vérité et non mes pensées et les déclarations des médecins qui ne sont pas la vraie réalité. Je m'accorde avec la parole de Dieu aujourd'hui et tous les jours de ma vie et je confesse que je serai guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père, que la paix et la grâce vous soient multipliées encore en ce jour et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.